Moi, Zulu Diabanza Siwalemba, je suis le porte-parole international de l'organisation panafricaine Unité Dignité Courage, aussi connue par le nom de Yakankou. Yakankou, justement, l'historique remonte depuis nos ancêtres marrons en Jamaïque. C'était une volonté justement de briser cette identité des nègres qu'on nous a accolés. Et Yakankou, c'est la souche linguistique du peuple Akan qui voudrait dire les hommes et les femmes libres. Donc nous sommes le Marron uni, digne et courageux et militons justement pour la transformation de l'homme et de la femme africaine en vue d'atteindre le bonheur intégral de notre peuple et de libérer notre mère patrie l'Afrique de toute forme de domination et si vous voulez d'oppression. Notre organisation panafricaine a vu le jour depuis 2014. Nous avions ensemble, au nombre de 5, je pense que les fondateurs de cette organisation panafricaine, et nous avions décidé justement de nous engager pour non seulement constituer un bouclier contre toutes ces violences et tous ces coups violents que nous recevons sur le plan politique, culturel, social, et que nous recevons d'abord en tant que nation, en tant que peuple, mais aussi individuellement. Et c'est dans cet esprit qu'a vu le jour Unité, Dignité, Courage, comme l'est dit simplement ces principes hein, trinitaires, parce que nous avions compris qu'il y a, après examen de conscience, après une profonde réflexion, nous avions constaté que le peuple africain et l'Afrique dans son ensemble manquent d'unité. Comme le disait et le résumait le président Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr. Donc, il y avait un manque total d'unité, l'absence totale de dignité. Cette dignité qui, comme on le dit souvent, avait caractérisé l'un des porte-parole les plus éminents de notre peuple. Je cite en l'occurrence le président Ahmed Sékou Touré, mais aussi le courage. Il nous a fallu ce courage-là, ce courage de pouvoir dire non quand il faut dire non. Ce courage de reprendre, si vous voulez, la destinée de notre peuple entre nos mains et la destinée de l'Afrique de manière générale entre nos mains. C'est ce qui a résumé cette pensée active autour de l'unité, la dignité et le courage et qui justement est le socle sur lequel nous sommes assis pour mener ces combats pour la libération de l'Afrique. L'histoire retiendra déjà la première action d'ailleurs qui a signé la naissance de l'UDC, c'était dans le locaux de l'UMP. Nous étions dans les locaux de l'UMP parce qu'à l'époque, je pense que tous les Africains le savent, le président ivoirien Laurent Gbagbo était kidnappé, était déporté de la Côte d'Ivoire jusque vers les prisons de La Haye. Donc il a été question pour nous d'aller dans les laboratoires politiques qui justement a travaillé le renversement de Laurent Gbagbo, le bombardement de la Côte d'Ivoire, mais aussi les kidnappings et la déportation de Laurent Gbagbo. Alors il était question aussi de mettre à lumière devant les yeux du monde entier la volonté ou la maladie incurable de la France, la maladie impérialiste et colonialiste de la France, cette maladie incurable, pour démontrer aux yeux du monde qu'avant chaque action politique, avant chaque décision politique, avant chaque action militaire, je parle là de l'armée française qui à chaque fois agit en Afrique, il y a un laboratoire politique mis en place qui justement réfléchit, travaille autour de ces questions. Donc cette action, nous avons pris, si vous voulez, d'assaut les locaux de l'UMP. C'était l'action qui avait signé la naissance de l'UDC. Après ça, il y a eu l'action d'anthologie que nous avions menée dans le tombeau de Napoléon Bonaparte pour démontrer aux yeux du monde entier, parce que c'était au musée de l'armement. Quand l'armée française utilise, si vous voulez, certaines armes, ils vont après au musée. Et il a fallu pour nous démontrer à la justice internationale la maison où on pouvait trouver les armes du crime. Les armes du crime, c'est-à-dire l'ensemble de tout cet armement utilisé par l'armée française et qui ont servi durant toute l'histoire du peuple noir de partout dans le monde à massacrer et tuer notre peuple. Et ensuite, il y a eu cette action justement à l'ambassade du Maroc d'où nous sommes allés dénoncer les politiques inhumaines, dégradantes, appliqué par le gouvernement royal du Maroc et la plupart du gouvernement des pays de l'Afrique du Nord contre ce qu'ils appellent entre guillemets d'abord les migrants, c'est-à-dire les Africains subsahariens qui montent vers l'Afrique du Nord,
mais aussi dénoncer cette politique d'expropriation des terres vis-à-vis de tribus noires autochtones au Soudan, en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Mauritanie. Il y a eu bien évidemment aussi l'action historique qui a été menée en 2015, d'où nous sommes allés, là où se trouve l'unité de production de la monnaie coloniale du franc CFA. Parce que l'histoire retiendra qu'il a fallu l'arrivée des Marrons pour qu'il puisse y avoir lieu, si vous voulez, la popularisation de la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA, parce que nous sommes allés pour la première fois à une manifestation pacifique et populaire qui s'est tenue à Chamalières, en Auvergne, d'où nous sommes allés à la Banque de France pour justement mettre fin à cette monnaie coloniale, d'où a été brûlée quasiment toutes les coupures de cette monnaie. Il y a eu en 2015 et en 2016 les marches, justement pour la première fois, les marches historiques pour la première fois, où la diaspora africaine, à Paris même, nous avons demandé et exigé le départ imminent de l'armée française de notre mère patrie, l'Afrique. Enfin, que l'armée française quitte l'Afrique et notamment puisse permettre aux pays africains, aux dirigeants africains de devenir le leadership ou de répandre le leadership de nos politiques de défense et de sécurité. Voilà de manière succincte ces actions-là d'anthologie qui nous ont mené, notamment, je n'oublierai pas l'action du 14 juillet, pour la première fois, nous avons marché contre les violences sexuelles, nous avons marché aussi contre le programme aliénant et déshumanisant de l'éducation, le programme éducatif imposé par la France à travers l'UNESCO aux pays africains. Voilà de manière succincte les grandes lignes de nos actions qui ont été menées jusque-là et qui ont permis l'UDC aujourd'hui d'être parmi ceux-là sur les chéquins panafricains qui, haut et fort, crient pour la libération de notre peuple et la liberté de notre mère patrie, l'Afrique. Cela a permis notamment de faire bouger les lignes, parce que vous vous rappellerez qu'il y a quelques temps, les dirigeants africains faisaient botter en touche quand il s'agissait des questions, notamment des revendications de la jeunesse, sur des questions notamment monétaires et financières, mais aussi sur des questions, j'ose dire, politiques et économiques. Il y a notamment des avancées dans ce sens-là où les dirigeants africains ont commencé à s'exprimer, non seulement à s'exprimer, mais aussi à agir. Nous voyons que l'UMOA, pour parler de cette unité monétaire, financière et économique, a aujourd'hui, dans ses priorités, la mise en place de l'ECO, qui, on en parlera un de ces jours, qui est encore une forme de farce monétaire et financière, mais qui justement est la réponse à ces vastes mobilisations, à ces combats que nous avons mis en place. Il y a aujourd'hui la mise en place, ou si vous voulez, les retours sur la table du débat autour de la monnaie coloniale du franc CFA, un débat qui a été mené à tous les échelons des administrations politiques, financières et économiques de l'Afrique et qui nous a permis aujourd'hui et a permis justement au peuple africain et à l'opinion mondiale et internationale de se rendre compte que justement c'était un sujet qu'il fallait remettre à la lumière. Et c'est justement à travers ces mobilisations, à travers ces premières actions que nous avions posées qui a en fait a été l'élément déclencheur d'un vaste mouvement qui aujourd'hui a contraint ces dirigeants aujourd'hui à remettre leur politique à la question. Il y a notamment encore, si vous voulez, l'avancement sur des questions de l'unité de production de la monnaie coloniale du franc CFA. La CEMAC est en train de proposer la délocalisation, si j'ose dire, de l'unité de production de la monnaie du franc CFA, que c'est là l'unité de production quitte Chamalières pour revenir vers l'Afrique. Il y a aujourd'hui, sur le plan toujours administratif, la naissance de plusieurs associations et de plusieurs mouvements africains et panafricains qui se sont constitués administrativement comme collectifs pour lutter contre la monnaie coloniale du franc CFA. Il y a eu, bien évidemment, sur le plan, toujours dans ce cadre-là, beaucoup des universités et beaucoup des administrateurs universitaires qui ont engagé des débats et qui ont même, si j'ose dire, initié des travaux dans ce sens-là sur des questions monétaires et financières, parce que nous avions réussi aujourd'hui à mettre devant leurs responsabilités l'obligation de se prononcer sur cette indépendance et sur cette souveraineté monétaire et financière. Voilà justement sur le plan administratif quelques avancées que nous avions réalisées dans ce sens, et je dirais même cela a poussé même les dirigeants africains d'aller plus loin dans certaines politiques de l'intégration africaine, l'intégration économique africaine et financière même, permettant justement à pays africains d'aller au-delà de certaines exigences administratives et douanières
pour avancer vers l'unité monétaire et financière de l'Afrique. Donc, vous voyez que le déclenchement de ces mouvements et de ces combats et de toutes ces actions ont aujourd'hui porté leurs fruits, bien que ce ne sont pas encore les résultats escomptés, mais nous avançons. L'UDC peut aujourd'hui réclamer sur, revendiquer, je dirais, sur l'espace territorial de notre planète, près de 800 000 adhérents et sympathisants qui, non seulement en France, mais dans notre chère et mère patrie d'Afrique, aux Amériques, Amérique du Nord comme Amérique du Sud et l'Asie, qui aujourd'hui ont répondu présent et qui figurent, j'ai dit bien, dans le listing officiel de notre organisation en tant que membres sympathisants, membres adhérents et membres actifs de notre organisation panafricaine. Tout à fait, ces actions ont été menées aussi en Afrique, dans plusieurs pays, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Sénégal, d'où nous étions il n'y a pas fort longtemps, à Lomé. Mais aussi, nous sommes en train de préparer un grand sommet panafricain, si j'ose dire, dans ce sens-là. Et nous sommes en train de discuter pour voir quelle est la capitale panafricaine qui va nous recevoir. Mais aussi à Bamako, d'où nous avons déclenché, je pense que beaucoup, ceux qui nous suivent, se rappellent encore, le 20 juin 2017, nous avons déclaré et fait de Bamako la capitale, si j'ose dire, panafricaine sur le plan militaire, sécuritaire et en matière de politique de défense. C'est-à-dire en mémoire de Babemba Traoré qui autrefois s'était levé pour empêcher la pénétration de l'armée française en Afrique en partant du Mali. Nous avons voulu faire du Mali les bastions de la résistance contre la pénétration de l'armée française, sachant que l'opération Sangaris et l'opération Barkhane sont des opérations aujourd'hui qui jouent à la déstabilisation du Mali et de l'Afrique de manière générale. Alors à partir de là, nous avons lancé notre manifeste en 14 points. Le manifeste qui a été lancé, le manifeste de Yakankou, c'est manifeste pour la liberté de notre peuple, à travers lesquels nous avons mis à la lumière de notre jeunesse et du peuple africain de partout, 14 points justement pour arriver à la libération effective de notre mère patrie, l'Afrique, et de notre peuple. Et aujourd'hui, nous avons vu que après la conférence qui avait lancé justement cette, si vous voulez, ces manifestes, il s'en est suivi beaucoup de types d'actions, beaucoup de mobilisations panafricaines pour justement exiger les départs inconditionnels et imminents de l'armée française du Mali et de l'ensemble de notre mère patrie, l'Afrique. Nous déplorons jusque-là l'indifférence et le silence total des dirigeants africains. Les ONG occidentales aujourd'hui bénéficient du soutien politique, financier, je dirais même stratégique du ministère des Affaires étrangères, notamment des pays comme la France, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'un dirigeant africain est dans les collimataires de l'Occident, à l'exemple de Laurent Gbagbo, ces ONG rentrent en action pour justement récolter des informations ou fabriquer même des informations contre les dix dirigeants. Mais nous déplorons du fait que les dirigeants africains ne veulent pas répondre, si vous voulez, ces revendications que nous sommes en train de porter, ces aspirations profondes. Et en tant que dirigeants africains, ils ont l'obligation politique et morale, mais aussi l'obligation de solidarité, de pouvoir soutenir et faire entendre cette voix. Nous déplorons ces comportements parfois, je dirais, de cette schizophrénie politique des dirigeants africains qui parfois se comportent comme des gens qui, tout au long de leur processus ou de leur parcours administratif, j'allais dire de leur parcours académique et scolaire, n'ont pas eu affaire au mot dignité et qui aujourd'hui sont indifférents par rapport à ces combats que nous menons. Alors qu'il leur revient des droits, il leur revient aujourd'hui à tous ces dirigeants africains de prendre à bras le corps les revendications qui sont nôtres, de soutenir d'une manière ou d'une autre ces politiques que nous sommes en train de mener. Nous condamnons fermement ces politiques d'ailleurs, qui dont la plupart vont contre nous. Vous vous rappellerez qu'il n'y a pas fort longtemps, j'ai été expulsé de Tunis, notamment parce que je suis allé dénoncer ces politiques inhumaines qui sont menées contre les Africains alors qu'ils ont la liberté de circuler en Tunisie. Je suis allé au Maroc, d'où le gouvernement royal du Maroc a porté plainte contre ma personne. Vous vous rappellerez de mon arrestation au Soudan, justement les pressions que j'ai subies en Côte d'Ivoire et au Bénin. Vous vous rappellerez de la condamnation à mort dont j'ai été victime sous le régime de Joseph Kabila. Donc il y a justement une indifférence totale de tous ces dirigeants qui aujourd'hui, au lieu de prendre la ligne
portée par la jeunesse africaine et panafricaine, parce que c'est ça, si vous voulez, l'échantillon de ces aspirations profondes et de la volonté commune aujourd'hui partagée par l'ensemble des Africains, aujourd'hui éparpillés sur l'ensemble de notre planète Terre. Alors je lance, justement, je tire la sonnette, je tire l'essence de la responsabilité de l'ensemble de ces dirigeants africains pour qu'ils entendent la voix de la jeunesse digne, qu'ils entendent la voix de la jeunesse panafricaine unie, digne et courageuse. Parce que nous sommes en train de monter d'un cran, justement, pour aller jusqu'au bout de ce que nous considérons comme une révolution pacifique devant bouleverser la tendance de ceux qui gouvernent l'Afrique. Je lance un appel solennel au président John Magufuli de la Tanzanie, mais aussi au président Uhuru Kenyatta du Kenya, au président Tshisekedi, s'il nous comprend, parce que jusque-là c'est la déception totale, et du président ghanéen Nana Akufo, pour qu'ils reviennent à la raison. Qu'ils reviennent à la raison et qu'ils écoutent la voix de la jeunesse unie, digne et courageuse. Disons, pour l'action du 12 juin, le vendredi 12 juin justement, nous sommes allés au musée de Quai Branly. Parce que cette action du musée de Quai Branly, il faudrait que l'opinion mondiale comprenne la démarche qu'est nôtre. Nous avons épuisé toutes les voies. Mais jusque-là, je précise, l'action du Quai Branly est une action diplomatique. C'est de la diplomatie ce que nous avions fait. La raison pourquoi vous avez vu cette action était à caractère pacifique. Nous sommes allés de manière très pacifique parce que nous nous acheminons dans la logique de la diplomatie. Et dans la logique de la diplomatie, il est justement recommandé de construire ensemble un socle de coopération, d'échanges et de discussions. Alors notre action sur le plan diplomatique, j'aurais souhaité que vous la lisiez de la manière suivante. Que c'est l'appel à la construction d'un nouveau socle, de coopération où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. C'est ainsi que nous sommes allés, si vous voulez, restaurer les blasons ternis de notre culture et de notre identité qui a été brisé, saboté par la confiscation de nos œuvres d'art, par la confiscation de ces entités qui, jadis, participaient à la cohésion, à la paix et, si vous voulez, à la prospérité, même au bonheur dans nos sociétés, dans la plupart des sociétés africaines. Nous avons voulu justement interpeller les nations occidentales, les pays européens, en partant par la France, parce que le musée de Quai Branly se trouve en France, passant par Tervuren, Belgique, Allemagne, Portugal, si vous voulez, jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Les interpeller à revenir justement dans l'ordre logique de la coopération et des échanges entre peuples et entre nations, de respecter l'identité et la culture de tout un chacun. Ça, c'était la démarche de notre action. Cette action s'inscrit dans la continuité de toutes ces démarches diplomatiques. Je cite le 4 octobre 1973, sur la tribune des Nations Unies, le président Mobutu avait justement sollicité à ce que l'Organisation des Nations Unies puisse voter une résolution. Une résolution pouvant obliger les pays européens et occidentaux, membres de la dite organisation, de pouvoir restituer tous ces qui est de nos œuvres d'art, tout ce qui est du patrimoine intellectuel, culturel et spirituel africain qui a été pillé. Le président, pas fort longtemps, nous avons ici le président Patrice Talon qui a inscrit aussi une logique diplomatique tendant à la récupération, si vous voulez, de notre patrimoine intellectuel, spirituel et culturel. Mais nous avons voulu aller plus loin parce qu'il y a dans le chef des dirigeants africains un comportement qui aujourd'hui nous choque, un comportement qui nous bouleverse, un comportement que je qualifie sans détour d'indigne. Parce qu'on ne peut pas aller demander à un voleur la permission et l'autorisation de pouvoir récupérer ce qu'il vous a volé. Raison pourquoi nous sommes allés au musée de Quai Branly, vous avez vu, pour reprendre et non demander cette fois-ci. Reprendre ce qui nous appartient. Et c'est cet acte-là symbolique qui a été posé justement pour pouvoir récupérer. Et le coup du hasard ou le sort du déroulé a fait en sorte que j'étais devant ce qu'on appelle le poteau funéraire du gardien de tombeau, les gardiens de tombeau royaux de l'Afrique. Car à travers ces symboles-là, c'est toutes les âmes de l'Afrique qui ont été libérées. C'est les âmes, je dirais, africains aujourd'hui victimes de la colonisation. C'est les âmes africaines victimes du néocolonialisme. C'est les âmes africaines, j'allais dire,
victimes de l'aliénation mentale. C'est les âmes africaines victimes de la subordination politique et économique que nous sommes allés récupérer. Cette action, si j'ose dire, c'est aussi une thérapie. C'était une thérapie pour aider les nations occidentales et les peuples européens de pouvoir être guéris de leur supériorité, de leur maladie, de la supériorité automatique. Parce que c'est cette notion-là de la supériorité qui les a poussés à aller justement prendre ce qui ne les appartenait pas. Et en continuant justement à conserver dans leur musée ces patrimoines, en disant que les Africains ne sont pas capables justement de pouvoir entretenir cela. Ça, c'est une maladie de la supériorité automatique. Mais c'est aussi une thérapie vis-à-vis de notre peuple, de la communauté africaine et noire de partout par le monde, de guérir de sa maladie d'infériorité automatique pour qu'ils comprennent justement qu'il a, comme ses ancêtres, cette intelligence de pouvoir non seulement conserver, mais aussi produire de nouveau dans ce sens. Cette action, mes chers compatriotes, frères et sœurs africaines, c'est aussi une action, si vous voulez, réparateur, pour réparer justement ce qui a été commis en Afrique. Cette réparation que nous avons inscrite successivement sur 7 points, autour de 7 points. Une réparation qui doit permettre justement à réparer tout ce que l'Occident a commis contre l'Afrique, contre notre Afrique. Cette réparation, elle est juridique. Cette réparation, elle est historique. Parce qu'il faut que les nations occidentales, si vous voulez, restituent en fait et geste ce qu'ils ont commis contre l'Afrique, afin que la vérité soit établie. Cette vérité permettra aux Africains de la diaspora de pouvoir justement se réconcilier avec leurs frères, de pouvoir abandonner l'idée selon laquelle que les Africains ont vendu leurs frères. Et les Africains restés au continent vont se dédouaner de cette mensonge historique qui aujourd'hui fait croire à l'humanité que l'Afrique avait vendu ses propres frères. Cette réparation doit être aussi juridique avec l'élaboration des instruments juridiques de haute portée internationaux qui justement vont condamner et sanctionner, punir justement les crimes et les criminels. Cette réparation, bien évidemment, sera aussi financière. Cette réparation sera aussi culturelle, justement qui rentre dans le cadre de la restitution de nos biens. Quant à ce qu'il en est, des conséquences. Les conséquences de nos actions sont nombreuses. Les conséquences administratives, moi qui vous parle, le 24 février 2017. Le 24 février 2017, il y a eu un grand procès, justement, au tribunal de Créteil, où j'ai été expulsé du territoire français. La décision judiciaire qui en est sortie, c'est l'expulsion de moi, Zulu Diabanza, du territoire français. Les raisons de cette expulsion, c'est justement la France m'accuse d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français. Et le contenu mis à travers, ou si vous voulez, le contenu mis à l'intérieur de cette accusation, de ces accusations, c'est justement l'action héroïque dont je vous énumérais ici, menée à Chamalières en 2015 contre la monnaie coloniale du franc CFA. C'est l'action d'anthologie menée au sein de l'ambassade du Maroc pour dénoncer ces politiques inhumaines, ces politiques criminelles, qui justement appliqué par le gouvernement royal du Maroc contre les personnes dites subsahariennes. Ils ont mis encore la marche du 8 mai 2015 et 8 mai 2016 qui exigeait le départ de l'armée française et de toutes les armées occidentales de notre mère patrie, l'Afrique. Donc c'est une conséquence administrative, c'est une conséquence, je dirais, familiale, parce que cela aura comme conséquence la séparation avec ma famille. C'est une conséquence qui, je dirais aussi, en termes de violation flagrante de mes droits et libertés fondamentales. Donc, c'est, si vous voulez, il y a des conséquences aussi, je dirais, sécuritaires, parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'objet des menaces d'ici et là, nous sommes l'objet des intimidations par rapport à tout ce que nous menons comme combat. Et nous ne savons pas si, par malheur, nous aurons à subir le même sort que nos prédécesseurs. Mes pensées vont à tous ces Africains et Africaines qui sont tombés sous les balles de l'impérialisme et du colonialisme, qui justement, parce qu'ils ont voulu à un moment donné crier haut et fort la liberté fondamentale de notre peuple, crier haut et fort la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Donc, vous aurez à remarquer que dans cette logique, il y a autant de conséquences. Ces conséquences, c'est aussi la restriction de mes libertés et de mes droits qui aujourd'hui m'empêchent. Depuis un moment donné, nous étions dans la difficulté de continuer nos mobilisations sur l'espace Schengen européen. Il y a aujourd'hui les conséquences, je dirais, en termes par exemple de voyage, si vous voulez, de ma liberté de circulation. Parce qu'au moment où je parle, à chaque fois que je voyage, à chaque fois que je quitte les frontières
nationale de la France, j'ai fait l'objet des arrestations dans tous les aéroports européens. Récemment, tout le monde a vu, d'ailleurs, qui était diffusé dans les réseaux sociaux. J'ai été victime d'interpellations à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, où je suis resté pendant près de 3 heures à l'aller vers Dakar et au retour. Je l'ai encore été à l'aller quand je partais vers Lomé et au retour. Je l'ai été à l'aéroport de Roissy, je l'ai été à l'aéroport international de Lisbonne, je l'ai été à l'aéroport international de Madrid, je l'ai été à l'aéroport international de Lomé. Donc il y a aujourd'hui, le gouvernement français m'a placé selon certaines indiscrétions à un fichier, je dirais, condamné aujourd'hui à un fichier Z, même pas S, pour faire de moi, je ne sais pas, un véritable danger de ses intérêts. Et qui aujourd'hui a été, si vous voulez, transmis à travers Interpol dans l'ensemble, je dirais, des aéroports, des frontières internationales de l'Europe et de l'Union européenne. Donc il y a énormément de conséquences aujourd'hui, même qui sur le plan financier, de pression qui pèse sur ma personne et sur mes avoirs. Donc il y a cette dimension de conséquences, mais nous nous sommes préparés, nous nous sommes constamment préparés et il y a un héritage que je ne perds jamais. Un héritage aujourd'hui reçu de Patrice Emery Lumumba, lequel disait qui a su, lui, je dirais, à travers ses actes, de placer l'intérêt supérieur du peuple africain au-dessus de toute exigence protocolaire, sécuritaire et diplomatique. Et c'est la raison pourquoi nous continuons à tenir. Nous continuons à tenir justement pour la libération fondamentale de l'homme et de la femme africaine aujourd'hui sur toute la planète, l'étendue de la planète Terre et pour notre mère patrie, l'Afrique. Donc voilà succinctement l'ensemble de ces conséquences qui aujourd'hui qui pèsent sur nous et qui nous empêchent justement de mener à bien ces combats. Il y a aussi justement des conséquences médiatiques avec justement la plupart de médias entre guillemets qui sont certains médias, pas l'ensemble de médias, certains médias qui sont sous la coupe d'une oligarchie financière internationale qui aujourd'hui nous peint comme des extrémistes, comme des radicaux, comme des racistes, je ne sais pas, comme ceux qui aujourd'hui veulent exterminer d'autres peuples, mais qui sont au service de ceux-là pour nous peindre justement en noir. Donc voilà les différentes conséquences et qui nous empêchent parfois de pouvoir faire les grands échos à ce qu'on est de nos aspirations profondes et de causes que nous défendons. Dans la démarche que notre, parce que nous rassurons, notre démarche, tout le monde sait que la philosophie politique dont nous prenons, c'est le nationalisme africain, d'où le panafricanisme tire sa sève qui lui permet d'être debout. Et ce nationalisme africain veut une chose, une phrase qui est simple à résumer, que les richesses africaines reviennent et appartiennent aux Africains. Donc c'est ça la démarche dans laquelle nous sommes inscrits et qui, si justement je dois le résumer, ne doit pas faire peur à ceux-là qui sont en face de nous, mais qui doit faire peur à l'oppresseur, qui doit faire peur à l'impérialiste qui veut aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, humilier la personne africaine sortie du continent mère, mais aussi qui veut maintenir notre mère patrie d'Afrique dans un esclavage perpétuel. Donc voilà en grosso modo ce qui pour nous peut être l'explication de ce qu'en est de nos propos qui en fait portent les aspirations profondes de notre peuple et la volonté de chaque Africaine et de chaque Africain de se libérer aujourd'hui du joug de l'impérialisme occidental, cet impérialisme tentaculaire qui nous empêche de respirer, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan culturel, qui d'ailleurs a justifié encore une fois cette action historique, réparatrice, mais aussi libératrice que nous avons menée au musée de Quai Branly ce 12 juin dernier. Le gouvernement français, en ce qui nous concerne, on sait déjà que c'est un gouvernement qui s'est autoproclamé état des droits de l'homme. État des droits de l'homme parce qu'il n'y a aucune nation qui, je pense que logiquement constituée, ne peut donner à la France cette couronne de fleurs. Nous savons aisément qu'il est dans ses habitudes, s'il ne s'agit pas de faire taire définitivement, mais justement d'étouffer. Et nous sommes aujourd'hui, nous, dans une situation d'étouffement où le gouvernement français cherche à nous étouffer, à étouffer la voix de l'Afrique digne, à étouffer la voix de la vérité. Cette voix de la vérité, ce n'est pas la voix qui veut la décadence de la France, mais c'est la voix qui veut la décadence de la France impérialiste. Il y a une nuance de taille. C'est la voix qui veut la décadence de la France colonialiste.
il y a une nuance de taille. Parce que la belle France, tant aimée par les citoyens français et par d'ailleurs tant d'Africains, ce n'est pas de cette France-là qui nous pose problème. Parce que nous voulons bien évidemment, comme je le disais, coopérer avec tout ce qui cherche à coopérer avec l'Afrique, mais dans le respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Et c'est ça, justement, qui anime notre démarche. Et nous savons que il est dans ses habitudes de cette France-là, parfois, on doit dire les mots tels qu'ils les sont, de pouvoir étouffer tous ceux qui, en toute dignité et en toute connaissance de cause, ont voulu la libération de l'Afrique, ont voulu assez que les relations entre la France et l'Afrique soient des relations qui soient basées sur le respect, sur la considération, sur la dignité, et non sur la suprématie ou la supériorité de l'un sur l'autre ou de l'une sur l'autre quand il s'agit de la France et de l'Afrique. Raison pourquoi ça ne nous étonne pas. D'un côté, on sait aussi qu'en tant que fervent guerrier, nous savons que la France est une nation guerrière, est une nation de combat. C'est un peuple qui a su combattre tout au long de son histoire. Donc, ce sont des répressions, si vous voulez, notamment inscrites dans le cadre de ces mesures de défense pour protéger ses intérêts. Vous avez vu qu'ils m'ont protégé comme, ils m'ont présenté, j'allais dire, comme quelqu'un qui représente un danger pour les intérêts fondamentaux de la France et de l'Union européenne. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'un Africain digne qui défend les intérêts de l'Afrique doit être considéré ainsi, parce que cela fait écho à un rapport sorti récemment, en 2016, si je ne m'abuse, du ministère de la Défense, qui justement classait le panafricanisme, et je précise, le nationalisme africain, comme l'ennemi numéro un de l'Europe et des intérêts fondamentaux de l'Europe. Étant donné que notre mouvement Unité, Dignité, Courage prône le nationalisme africain, il était logique qu'on soit catégorisé dans ce sens, et moi, Zulu Diabanda, dans son porte-parole international, ne devait que subir ça comme sort, expulsion, menace et étouffement. Cela ne nous étonne pas, mais en tant que guerriers, nous sommes en face des combattants aussi. Nous menons le combat jusqu'à la libération effective de notre peuple et de notre meilleure patrie, l'Afrique. L'expulsion a pris déjà effet parce que le jugement a été rendu. Il advient maintenant, il a été question que les ministres de l'Intérieur ordonnent, si vous voulez, disons, ma déportation ou mon rapatriement, allons dire, sur la terre-mer. Ce qui a été déjà le cas une fois parce que j'ai été arrêté chez moi, mais suite à la mobilisation monstre de la plupart justement des Africains de la diaspora, ils m'ont relâché jusque-là. C'est ce qui fait qu'à chaque fois que je voyage, je fais l'objet des interpellations et des arrestations parfois qui finissent, récemment c'était au quai des Orfèvres, dans le sens où, je dirais en quelque sorte, des mesures d'intimidation. Mais on continue le combat et il y a du mal justement à se déplacer. Là, à partir de ce jour, au moment où je vous parle, il m'est interdit de quitter la France métropolitaine. Donc je ne peux même pas aller vers les Antilles, vers la Guyane, vers la Réunion, comme d'ailleurs mes frères avec qui nous avons mené ces combats. On ne peut pas se déplacer dans ce sens justement parce que le juge des libertés et des détentions nous a imposé 4 interdictions suite à l'action menée au musée de Quai Branly. La première d'abord, c'était de ne pas être en contact avec nous, entre nous, on ne pouvait plus être en contact. La seconde, c'était il ne faut plus se rendre au 7e arrondissement ni dans n'importe quel musée en France. La troisième, l'interdiction de quitter la France métropolitaine. La quatrième, il faut aller pointer chaque quinzaine auprès du commissariat le plus proche. Donc on voit aisément que ce sont des mesures restrictives qui nous empêchent notamment de continuer ces rouleaux compresseurs pour aller reprendre tout notre patrimoine spirituel, culturel, intellectuel, qui a été injustement, pris par les nations occidentales. Nous voyons qu'il y a aujourd'hui des instruments juridiques, d'ailleurs, qui permettent aux États-Unis d'Amérique et à l'Union européenne de pouvoir défendre son patrimoine ou sa propriété intellectuelle. Les artistes européens et occidentaux, y compris américains, les acteurs cinéastes américains sont protégés dans le cadre de cette loi de la protection de la propriété intellectuelle. Mais comment est-il possible que ce même-là, quel paradoxe, qui aujourd'hui se permet de violer, de bafouer justement notre propriété intellectuelle? Parce que les œuvres d'art, ce qu'ils appellent les œuvres d'art, c'est le produit fini d'une intelligence de nos aïeux. Alors leurs héritiers le réclament. Leurs héritiers veulent ramener à la maison tout ce qui est ces patrimoines. Leurs héritiers veulent aujourd'hui porter dans
sa politique éducative, ces œuvres-là pour le transmettre à nos enfants. Parce que je rappelle que lorsque nous demandons la restitution de nos œuvres d'art pour que cela reparte en Afrique, cela sera bien entendu remis aux mains des États et des dirigeants africains, mais de façon transitoire. Parce qu'il faudrait après qu'il y ait une discussion, si vous voulez, une sorte de conférence interculturelle où les responsables des États, nations de l'Afrique, des tribus, des chefs, des clans vont s'asseoir justement ensemble pour réfléchir avec les gouvernements comment trouver des mécanismes pour que ces œuvres-là, ces entités-là, reprennent leur place dans la société et qu'ils participent à notre quotidien comme ils ont su le faire d'antan. Parce que c'est toujours valable pour que ces œuvres d'art-là reprennent et réintègrent notre quotidien et réoccupent leur place dans la société africaine, dans l'ensemble des sociétés africaines. Voilà comment est-ce que nous sommes en train de prévisualiser dans les jours à venir l'aboutissement de cette action qui justement va déclencher dans les jours à venir une action judiciaire. Nous allons déclencher une action judiciaire parce que je pense que la Cour pénale internationale jusque-là n'avait pas jugé des bons criminels, n'avait pas songé même à juger ceux qui étaient des vrais criminels. Alors dans le musée de Quai Branly, on peut trouver preuve à l'appui des objets de recel et de vol. Et nous allons déclencher tout un processus judiciaire qui justement va traîner devant les cours internationaux, les tribunaux internationaux, les nations et les dirigeants occidentaux, mais aussi les personnalités européennes et occidentales qui se sont associées en tant que coupables indirects et directs dans des crimes qui ont été commis. Parce que dans quel contexte tous ces œuvres-là ont été pillées? Ce sont ces contextes-là que nous allons examiner. Les crimes qui ont été commis, les génocides qui ont été commis. Et cela, la chaîne de la responsabilité doit être restituée et doit être aussi, si vous voulez, que le coupable soit puni et sanctionné. Voilà de manière générale comment nous sommes en train de prévisualiser l'aboutissement de cette action que nous avons menée ce 12 juin, justement, au musée de Quai Branly. Et nous irons dans ce sens plus loin pour... à partir de là, déclencher un mouvement pour la réforme de notre programme éducatif. Parce qu'il faut que dans le programme éducatif aujourd'hui dispensé dans le pays africain et dans les pays européens et américains, là où il y a une forte représentation de notre diaspora, que nos enfants puissent aujourd'hui bénéficier d'une éducation vraie, d'une transmission vraie, d'une restitution vraie de la vérité historique de ces œuvres-là. Que les enfants, les étudiants européens de souche ne soient pas les seuls à en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants africains, pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir accès à ces patrimoines, ils doivent avoir un visa. Un visa d'ailleurs qui leur est refusé. Ils doivent débourser de l'argent pour venir faire des études sur certaines œuvres spécifiques qui ont été aujourd'hui pillées à travers de musées occidentaux européens. Voilà, mes chers compatriotes, c'est un grand mouvement aujourd'hui de la refondation totale, j'ose dire, de notre mère patrie, l'Afrique, dans sa perception, ou si vous voulez, dans ses orientations et dans ses agissements politiques, diplomatiques, culturels, éducatifs, sécuritaires. Deux choses. La première des choses, que dans notre mouvement panafricain, nous prenons l'unité. Cette unité-là, ce n'est pas simplement dans notre discours ou dans nos interventions, mais c'est dans les faits. Nous étions à plusieurs fois avec beaucoup d'autres compatriotes et camarades, d'ailleurs que je profite de saluer notamment la brigade anti-nogrophobie, avec laquelle nous avons mené sur la première ligne le combat contre la présence de l'armée française et des armées occidentales en Afrique. Le 8 mai 2015 et 2016, nous étions ensemble dans les rues de Paris. Il y a évidemment une synergie qui a été créée dans ce sens et nous avons déclenché un mouvement. Et il y a la plupart des mouvements aujourd'hui qui arrivent, qui naissent dans la continuité de ces combats menés par l'UDC. Parce que vous remarquerez, le mode opératoire de plusieurs mouvements, c'est le mode opératoire que nous appelons dans l'UDC la diplomatie active. La pénétration en coup de poing dans différentes institutions, dans différents lieux pour dénoncer des actions coup de poing. C'était une façon aujourd'hui mise en place par l'UDC pour réduire le coût justement financier et l'énergie immense des grandes mobilisations. Donc nous sommes dans cet état d'esprit uni. Dans la deuxième chose que j'allais dire, parce que j'en ai souligné deux, deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que dans l'espace francophone, il y a un ensemble de ce que nous appelons de combats, des distractions qui ont été créées. Il y a des
spécialistes dans différents laboratoires qui créent des pseudo-combats qui justement pour empêcher à ce que l'Afrique aille dans le profond de choses ou dans la profondeur de la lutte, de la nécessité ou du vrai combat qu'un Africain vivant en France doit mener. Parce qu'un Africain qui vit en France a un combat s'il décide de s'engager. Il a un combat qu'il doit mener. Un Africain qui est aux États-Unis, il a un combat qu'il doit mener. Mais pas un pseudo-combat qui d'ailleurs passe de manière assez, facile, hein, même à travers le média. Donc il y a, dans d'autres aspects, des justement de poches qui ne sont pas véritablement l'apanage du combat qui doit être mené. Nous comprenons ceux qui vont dans ce sens, mais dans les jours à venir, nous savons que progressivement, ils vont intégrer le vrai combat que l'Africain doit mener en France. Parce que c'est un combat qui doit permettre justement de briser ces cordons ombilicales aujourd'hui qui lient l'Afrique à cette Europe, si vous voulez, dominatrice et colonisatrice. Il faut briser définitivement le socle de ces systèmes-là d'oppression qui est mis en place. Raison pourquoi même nous avons choisi le 14 juillet, autrefois quand nous avions marché, parce qu'il fallait mettre en lumière que la disparition des royaumes européens, notamment des royaumes de France, a donné naissance à une république. Mais une république qui s'est constituée sur les crimes encore des Africains et qui continue, si vous voulez, à verser le sang de notre peuple et de notre mère patrie, de notre peuple, et si vous voulez, à provoquer une hémorragie, j'allais dire, qui fait couler les richesses de notre mère patrie, l'Afrique, vers justement les banques occidentales, les banques françaises, vers justement l'économie occidentale et l'économie africaine. Rappelez-vous que l'ex-premier ministre espagnol, José María Aznar, disait que pour renflouer les caisses de l'Europe, il suffit d'aller déclencher une guerre en Afrique. Et c'est cette logique-là que nous voulons couper, que nous voulons justement, si vous voulez, briser. Et c'est dans cette démarche-là que nous disons qu'il y a des pseudo-combats qui sont fabriqués dans certains laboratoires sans pour autant pointer du doigt ou dénigrer le combat de certains frères ou de certaines sœurs qui sont en train de se débrouiller à leur manière. La dimension dans laquelle l'UDC est en train de mener son combat aujourd'hui, c'est une dimension non de la masse quantitative, mais de la masse qualitative. C'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Nous n'avons pas une approche de la masse quantitative. Nous sommes dans la recherche de la masse qualitative qui doit être éduquée, formée et, si vous voulez, orientée vers les objectifs qu'il faut. Je vous prends un exemple. Vous vous en souviendrez du grand combat qui a été mené par nos frères africains-américains aux États-Unis d'Amérique sous la houlette justement de deux figures. Je citerai même de trois figures. Marcus Garvey, Martin Luther King, Malcolm X. Vous aurez à remarquer qu'on a travaillé dans la masse qualitative. Parce que quand nous avons eu la masse qualitative, lorsque le camarade Martin Luther King, le frère, disait qu'il fallait boycotter le bus, vous avez vu que même les mamans de 80 ans boycottaient. Lorsque nous sommes allés avec Malcolm X, lorsqu'il fallait faire une rupture véritable entre ceux qui sont, notamment ces modérés-là, ces progressistes, qui veulent combattre avec nous, nous avons eu la masse qualitative. Évidemment avec Marcus Garvey, où nous avons eu la masse qualitative jusqu'à même à aller, si vous voulez, enclencher le mouvement de la rédemption. Parce que le combat que mène UDC aujourd'hui, si vous allez même dans l'histoire, vous regardez bien l'action du Quai Branly. Nous sommes dans la logique de la rédemption, qui veut le retour de l'Afrique. Mais l'Africain ne rentre jamais sans son environnement. Il faut notre environnement pour que nous retournions avec. Donc nous sommes justement dans la continuité et ça, ça demande de la masse qualitative. Je peux vous prendre un autre exemple pour illustrer ce que je suis en train justement de dire. Vous nous voyez dans la rue crier contre le racisme. C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons de pseudo logique de combat. Donc il est difficile de trouver l'achoppement dans ceci. Ce qui ne dit pas que nous ne sommes pas avec nos frères. Parce que dès la première minute de l'assassinat d'Adama Traoré, que nous avons condamné avec la dernière énergie, l'UDC était dans les rues, aux côtés de la brigade anti-négophobie, et à l'époque de la famille juste d'Adama Traoré. C'était vers la gare du Nord, nous étions là. Et tout le monde s'en souvient. Moi, Zoulou était là d'ailleurs sur la première ligne. Et nous portons bien évidemment ces combats partout où l'un de nôtres sera victime d'une oppression quelconque. Partout où l'un de nôtres sera victime d'un dénigrement quelconque. Partout où l'un de nôtres ou l'une de nôtres sera victime d'une violence caractérisée. Croyez ça
Et comptez sur nous. Sur la première ligne, nous serons là. À la seconde près. Et nous avons réussi à mettre dans chaque pays où nous sommes présents un porte-parole. Moi, la responsabilité, vous voyez, quand je dis team leader, c'était plus un manager. Parce que je suis le porte-parole international pour coordonner. Mais c'est lui qui est le porte-parole de la France. C'est lui qui est le porte-parole du Sénégal, porte-parole de la République démocratique du Congo, porte-parole de la Guinée, du Togo. Nous sommes tous au même piédestal. Donc moi, je coordonne en tant que porte-parole international pour être en synergie avec les différents porte-parole de chaque pays. Je voudrais faire d'abord une restitution historique. L'UDC n'est pas une réplique. L'UDC est la première organisation panafricaine qui a popularisé la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA. Depuis le président Sylvanus Olympio et le président Modibo Keïta, 70 ans après, l'Africain vivait dans l'opprobre et l'acceptation de cette humiliation de l'imposition de la monnaie coloniale du franc CFA. Il a fallu l'arrivée de l'UDC, je précise la date de la première mobilisation populaire d'où nous avons permis à la jeunesse africaine et panafricaine d'aller dans les rues. C'était le 31 octobre 2015. Et ces jours-là, les coupures de tous les billets du franc CFA ont été brûlés à Chamalières, là où se trouve la Banque de France. C'est là l'élément déclencheur de tous les mouvements qui sont venus après pour justement se mobiliser contre la monnaie coloniale du franc CFA. Et toute cette mobilisation, tous ceux qui se sont mobilisés dans chaque pays, c'était de frères et sœurs qui ont commencé à travailler déjà avec l'UDC en coulisses. Ça, c'est une restitution des faits et la réhabilitation de la vérité historique. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'histoire falsifiée de notre vivant. Ça, nous ne le permettrons pas. Segundo, les autres mouvements panafricains doivent avoir l'humilité, non pas d'adhérer dans l'UDC, mais de rejoindre la dynamique qui a été lancée par le manifeste de l'UDC. Parce que dans le manifeste de l'UDC, il y a 14 points. Et parmi ces points-là, je citerai le point le plus essentiel qui a été lancé, justement, c'est la suppression de la zone franc, dans ce qui implique la monnaie coloniale du franc CFA et tous les mécanismes financiers et monétaires. Il y a le départ des armées françaises de notre mère patrie, l'Afrique. Il y a notamment la question de visa, la suppression de visa entre pays africains, mais aussi la suppression, si vous voulez, la restitution des différentes de l'argent des différents étudiants lorsqu'ils font des processus d'inscription dans différentes universités africaines, stopper le pillage des ressources africaines, arrêter la coopération technique entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi coopération économique, dont je veux parler des ACP, les accords de partenariat économique. Nous avons 14 points dans ces manifestes. Et lorsque nous avions lancé ces points, les mouvements panafricains qui existaient à l'époque n'y allaient pas dans ce sens. Les mouvements africains qui sont venus après, et eux, sont maintenant obligés d'aller dans ce sens. Donc, je pense que la noblesse et l'élégance la plus élémentaire voudraient que ces amis-là viennent justement ensemble avec l'UDC pour que nous puissions réfléchir ensemble comment nous acheminer ensemble vers la victoire collective. Parce qu'il ne s'agit pas d'un individu, d'une personne. Ça, ce n'est pas l'Afrique. La fin justifie les moyens. Tout le monde te dira Machiavel. Le coq a un seul propriétaire, mais il chante pour tous les villages. On te dira que c'est une sagesse africaine venue du Dahomey, mais qui l'a dit, personne ne le sait. Parce que l'Afrique, c'est le collectif. Ce n'est pas l'individu qui prime, mais c'est le collectif qui prime. Alors la sagesse veut que l'humilité, laissant la place aux aînés dans la tradition africaine, c'est-à-dire à l'organisation qui a été à la base de ces mouvements-là contre la monnaie coloniale du franc CFA, mais aussi contre
la présence des armées françaises en Afrique. Parce que je rappelle, la première mobilisation populaire qui a permis à la jeunesse et au peuple africain de s'exprimer dans une manifestation contre l'armée française s'est déroulée sous la conduite justement de l'UDPS en tant que manifestation organisée, pas en tant que soulèvement. Parce qu'en tant que soulèvement, tout le monde s'en souviendra que la jeunesse ivoirienne s'est mobilisée sous la houlette de Charles Blé Goudé contre la présence de la force Helicon et de l'armée française en Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'organisation panafricaine et mobilisation, c'est en le 8 mai 2015 et le 8 mai 2016, d'ailleurs le 8 mai pour casser ces socles-là de 1945, où 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont installé une dictature mondiale et internationale qui leur permet aujourd'hui de diriger le monde. Et derrière ces socles-là de 8 mai est née toutes ces injustices que nous voyons aujourd'hui, d'ailleurs contre principalement le peuple africain et notre mère patrie, l'Afrique. Donc nous avons lancé la mobilisation contre la présence des troupes étrangères et des armées étrangères dans notre mère patrie, l'Afrique, pour permettre à l'Afrique de répondre à son leadership en matière de politique de défense. Il est du devoir de ceux qui arrivent aujourd'hui de venir vers l'UDC et de travailler ensemble dans ce sens-là pour que nous allions vers la libération fondamentale de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. Mais ce qui n'exclut pas les relations amicales et fraternelles qu'on a, nous tous, ensemble. Voilà ce qui peut être la restitution et la réhabilitation de la vérité historique que tout le monde doit savoir et connaître. Non, le mouvement ne va pas s'éteindre parce que d'ailleurs en ce moment je dirais que je suis déjà réinstallé même en Afrique parce que je suis entre Kinshasa et Lomé et où vraiment j'ai une résidence surtout à Lomé d'où c'était dans cette approche-là d'ailleurs que l'on disait de la lutte contre la monnaie du franc CFA pour rendre hommage au vibrant justement Sylvanus Olympe parce que dans cette lutte d' ailleurs contre la monnaie du franc CFA pour nous il y a trois prédécesseurs. Il y a Sylvanus Olympio, il y a Modibo Keïta et il y a Tichang Pouemi, ses frères du Cameroun qui avaient, jusqu'à preuve du contraire, laissé cet ouvrage magnifique qui nous a permis justement de comprendre toute cette ramification financière et monétaire mise en place contre l'Afrique. Donc, de là où je serai, le combat continuera. Lorsque nous avions été expulsés ou arrêtés au Soudan, vous vous imaginez, après la condamnation à mort face à Joseph Kabila, nous avons continué le combat. Après l'expulsion de Tunis, nous avons continué le combat. Les multiples arrestations, nous continuerons le combat partout où on sera. D'ailleurs, je pense que nous passerons vers le paroxysme de notre combat pour atteindre les pics de la libération. Donc cela ne nous atteint pas. Cela ne nous atteint pas parce qu'on s'attendait à ce que de l'autre côté, bien évidemment, quand vous menez un combat, il y aura des contre-coups, le contre-retour. Et c'est sur ce pourquoi je finirai par ça. Un appel solennel à toute la diaspora africaine et à la diaspora panafricaine. Nous sommes dans une phase de ce que Marcus Garvey qualifiait de la rédemption. Mais la rédemption implique la restitution de tout ce qui est dû et de tout ce qui appartient à l'Afrique. Alors c'est un appel solennel à toute la diaspora africaine et panafricaine. D'abord de comprendre à ce que le moment est plus que jamais. Je voudrais dire là à nos frères et sœurs qui sont journalistes, je voudrais dire là à nos frères et sœurs qui sont juristes, à nos frères et sœurs qui sont banquiers, à nos frères et sœurs qui sont, je ne sais pas moi, spécialistes dans tel ou tel domaine, de nous rejoindre parce que nous venons de déclencher les rouleaux compresseurs depuis le 12 juin. Et ce rouleau compresseur amènera l'Afrique et notre peuple dans sa libération effective. Et là, nous avons besoin de vos compétences parce que cette fois-ci, l'Afrique va définitivement fermer la page du combat face à l'Occident pour que nos enfants et les générations futures, nos petits-fils qui viendront, aillent dans le sens de la construction d'une Afrique qui sera aujourd'hui le foyer pour tous les Africains éparpillés sur la surface de la terre, qu'ils puissent avoir un foyer de paix, de sérénité et de quiétude, un bouclier de protection face à ces politiques injustes qui sont menées contre nous et contre notre peuple.
Dès la première minute de l'annonce de l'existence de cette pandémie, nous avons interpellé notre peuple. Nous avons remis dans l'esprit et dans le chef du peuple africain d'abord ce qui est un patrimoine indéniable à l'Afrique, notre patrimoine pharmaceutique, à ce que notre peuple recourt vers la médecine de plantes. Et on s'en souviendra que j'avais mis en avant à l'époque la plante ou la feuille qu'on appelle le Congo Bololo, qui est d'ailleurs, qui fait partie de la famille de Vernonia. Et dans cette famille de Vernonia, c'est là justement qu'on retrouve l'Artemisia que le président Andy du Madagascar a mis comme socle thérapeutique pour sortir le peuple africain de la crise de Covid-19. Donc, nous étions sur la première ligne pour demander à notre peuple d'être justement solidement ancré et assis sur ses valeurs. Pourquoi nous avons voulu que notre peuple recourt vers la médecine des plantes? La première démarche allait d'abord permettre à l'Afrique de baisser le coût financier. Le coût financier de la médecine occidentale qui, à travers le Covid-19, va se refaire encore une santé économique. Nous avions voulu que notre peuple puisse être, si vous voulez, en harmonie avec son environnement. En harmonie avec son environnement pour éviter les différents produits nocifs qui sont produits par la plupart des grands groupes et des grandes pharmacies, des groupes pharmaceutiques occidentales. Nous avons aussi interpellé notre peuple de rester vigilant. De rester vigilant pourquoi? Parce qu'à travers cette pandémie du Covid-19, nous avons vu que l'Occident allait procéder à plusieurs essais. À plusieurs essais en termes de vaccination. Pour justement, si vous voulez, faire en premier abord de l'argent, mais aussi en prime abord, en deuxième abord, de pouvoir justement menacer la santé et la sécurité de l'Afrique. Rappelons-nous qu'autrefois, si vous vous en souviendrez encore, à travers la Lomidine, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé la lomidinisation de l'Afrique centrale, les pays africains, justement de l'Afrique centrale et des îles telles que la Réunion et beaucoup d'autres îles ont été victimes de ce qu'on a appelé la mouche tchétché. La mouche tchétché qui a amené la maladie du sommeil. Et en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Angola, au Cameroun, au Gabon, des villages entiers ont disparu lorsqu'il y a eu la contamination. Et cette contamination, après, ils ont créé encore un vaccin, après la lomidine, pour stopper les effets néfastes de la maladie du sommeil et de la lomidine. Ça a eu comme conséquence la poliomyélite. Et lorsque la poliomyélite s'est répandue pour porter atteinte à la santé du peuple africain et notamment des enfants africains, ils ont créé encore une sorte de, si vous voulez, de thérapie pour pouvoir vacciner les Africains. Ça a eu comme conséquence la naissance de la pandémie du sida. Donc on voit aisément, à chaque fois que les nations occidentales et les firmes pharmaceutiques occidentales viennent en Afrique pour soi-disant protéger, il y a toujours des conséquences en matière de santé, de sécurité, d'économie, de finances qui sont néfastes à l'Afrique. Raison pourquoi, à l'arrivée brutale de cette pandémie du Covid-19, nous avons fait un effort considérable de rappeler encore notre peuple à la vigilance et à la sécurité pour justement dire non aux laboratoires et aux firmes pharmaceutiques occidentales pour créer une forme de sécurité, une forme de sécurité sanitaire, une forme de sécurité qui nous aurait permis de nous défendre et d'être, si vous voulez, au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, le président du Madagascar, je ne parle pas en termes peut-être de firmes qui sont derrière, mais en termes peut-être de ces respects, de recourir à ce qu'en était justement un mécanisme de soins qui véritablement faisait partie déjà de culture et des traditions africaines, notamment en Madagascar. Le nom connu de cette feuille, c'est la plante qu'on appelle la bonne feuille en Madagascar, qui est à la base justement de Covid organique, qui permet aujourd'hui au peuple malgache de se protéger contre la pandémie du Covid-19. Et sur ce, j'en reviens encore à un appel solennel pour condamner justement les comportements inacceptables, les comportements amorphes du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et de son équipe de la riposte face à cette pandémie. La République démocratique du Congo, tout comme les pays africains, n'ont pas besoin de recourir à l'aide des pays européens. Nous avons vu récemment le ministre européen, si vous voulez, le ministre belge des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères et le commissaire européen en crise, en matière de crise, aller en République démocratique du Congo à Kinshasa avec un lot de médicaments. Lorsque l'Italie a sombré, lorsque l'Italie était dans le besoin, lorsque l'Espagne a sombré, lorsque la France elle-même, son personnel médical manque de quoi pouvoir faire face en termes de protection,
en termes, je dirais même de, comment vous appelez ça, en termes de protection, j'allais dire, et en termes justement de dépistage pour justement et des tests pour pouvoir faire face et prémunir prémunir l'arrivée, si vous voulez, la contamination de cette pandémie. L'Union européenne a été incapable. L'Union européenne n'a pas su faire face à cette crise. L'Union européenne n'a pas su justement protéger son personnel médical et ses populations. À combien la plus forte raison, l'Union européenne va en Afrique et dans un pays qui ne connaît pas le pic, dans un pays qui n'est pas sur la première place en termes de contamination des pays africains. Et pourquoi sont-ils allés justement en République démocratique du Congo pour pouvoir, je ne sais pas, faire ces dons-là. Et l'on dit qu'en République démocratique du Congo, c'est vers l'ouest, vers le bas Congo, qu'il y a plus de contamination. Pourquoi sont-ils allés à Kinshasa et à Goma? Alors je condamne cette approche-là. Et j'en appelle à la vigilance de la jeunesse africaine et de la jeunesse congolaise. J'en appelle au sens de la responsabilité du peuple congolais et de toutes les associations congolaises de faire barrière. De faire barrière, justement, à cette approche de l'Union européenne qui consiste, à mon humble avis, nous l'avons décrié, qu'il y a un problème aujourd'hui qui pose problème en Afrique et à l'égard de tous les Africains. Ce problème-là, c'est le problème épineux de la démographie africaine. Et à travers ça, nous savons qu'il y a une politique mise en place pour réduire, justement, si vous voulez, la population et les populations africaines de partout sur l'espace territorial. Regardez aux États-Unis, ce sont les Africains américains qui ont payé les prix sur les 100 000 morts. Regardez au Brésil, ce sont les Africains américains qui payent le prix. Et justement, je suis sûr que dans la plupart des pays européens, ce sont les Africains qui ont payé le prix les plus forts. Et aujourd'hui, on regarde l'Afrique pour que les Africains maintenant, qui sont en Afrique, payent le prix les plus forts. Vous vous rappellerez encore que nous étions une fois chez Jean-Marie Le Pen, dans une action d'anthologie encore historique, dans la résidence au manoir chez Jean-Marie Le Pen, d'où nous sommes allés dénoncer sa phrase assassine, où il faisait appel à Monseigneur Ebola pour exterminer et réduire les populations africaines, c'est-à-dire contrôler la démographie africaine. Une question qu'il défend avec passion, notamment tout d'ailleurs de la droite, comme je dirais Nicolas Sarkozy et tant d'autres. Alors pourquoi sont-ils allés dans ce sens? C'était justement parce qu'ils prévoyaient la mise en place de ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du Covid-19, on voit aisément que l'Afrique est en danger. Et au nom de cette question de protection de survie, le peuple africain doit, d'une manière générale, ainsi que l'opinion mondiale, aider l'Afrique à faire face à cela. Et la République démocratique du Congo ne doit pas être le seul pays africain qui se comporte comme un pays colonial, je dirais un pays colonisé et esclavagisé sur la scène de la diplomatie et de la politique internationale, en acceptant bêtement et honteusement toute cette main tendue, je dirais, inutile de l'Union européenne en termes de protection et de défense contre la contamination ou contre la propagation vertigineuse de la pandémie de Covid-19.